Le petit cheval de Mérens, qui grandit d'ailleurs depuis qu'il est bien nourri, se doit d'avoir trois qualités. Il doit d'abord être noir comme le péché, zin, c'est-à-dire sans aucun poil blanc, c'est ce qu'on préfère. Ensuite, il est prince devant et troisièmement, il est paysan derrière. Ça, c'est la réalité du cheval de Mérens, il ne faut pas l'oublier et garder cette formule qui évidemment évolue avec la clientèle, les utilisations modernes de ce petit cheval rustique. Mais voilà, noir, prince et paysan. Il ne faut pas oublier cette originalité d'avoir des ancêtres qui ont travaillé la terre et qui ont la densité, la force dans le squelette qui caractérise cette race-là. Il a aussi cette particularité d'être un Pyrénéen pur jus. Et les Pyrénées, comme nul ne l'ignore, c'est à la fois l'Espagne et la France. Donc il est fortement inspiré par le cheval andalou. Ensuite, il a été amélioré, et je n'hésite pas à utiliser ce mot-là, par des infusions de sang breton. C'est ce qui lui donne le côté paysan. Ce dont il faut parler aussi, quand on parle du cheval de Mérens, c'est les hommes qui l'ont fabriqué, ce cheval-là. Il n'avait pas besoin d'hommes pour exister, mais il avait besoin d'hommes pour être sélectionné, pour être connu. Et le premier qui s'est inquiété de ça, c'était Gabriel Lamarque. Il était président de la Société d'agriculture de l'Ariège et président de la Société des courses de Toulouse. C'était un homme de cheval averti. Cet homme-là a beaucoup écrit et il a mis en place, puisqu'il était président de la Société d'agriculture, les premiers encouragements financiers. Ensuite, le grand homme de la situation, c'est Lucien Lafont de Saint-Tenac, aujourd'hui défunt, qui fut mon maître. Il était officier des haras et dans son dernier poste à Tarbes, il a obtenu l'officialisation de cette race-là et l'agrément par le ministère de l'Agriculture. J'ai été son élève, je lui ai succédé à la tenue du livre généalogique. Dans les années 66, il n'y a plus que 16 naissances, c'est-à-dire que la race était vraiment agonisante. Ce cheval-là, il a été traditionnellement batté. C'était le cheval des messageries, c'était le cheval des livraisons, aussi bien à Bordeaux, Toulouse, Perpignan, s'arrachait ce cheval-là à la foire de Tarascon. Puis évidemment, monté, ça c'est tout à fait nouveau, ça date des années de l'essor du mouvement poney dans les années 70. On s'est aperçu que ce cheval se montait très bien, qu'il avait une aptitude certaine à l'obstacle pour certains d'entre eux. Et évidemment le trekking, c'est-à-dire le tourisme équestre en montagne, où là il excelle puisqu'il a un pied extrêmement sûr, vu que c'est son biotope naturel. C'est un cheval à multiples fins, je dirais pas à deux fins, à multiples fins. Ici, nous avons une jument qui s'appelle Aquarelle, donc qui est issue de mon élevage, que j'ai débourré à l'âge de 3 ans, voilà, et qui est parfaitement montée, attelée. C'est un élevage familial qu'avait mon père et qu'avait ma mère. Ils avaient, à l'époque, ils avaient un ou deux chevaux donc, pour travailler la terre. Et ensuite, lorsque j'ai repris cet élevage-là, on a augmenté le cheptel, donc de une jument, on est passé à actuellement à une quarantaine de chevaux, donc je les dresse, je les monte et attelé. Ensuite, à l'âge de 3-4 ans, je les commercialise. Je suis éleveur donc, de chevaux de Mérens parce que je suis aussi dans le berceau de race. Donc. Et cette race-là m'allait très bien parce que ce sont des chevaux quand même très faciles, faciles pour être montés, faciles pour être attelés. Donc, à l'âge de 2 ans et demi, je les rentre à l'écurie et là, jusqu'à ce qu'ils soient dressés, je ne les lâche pas, c'est-à-dire on commence à les longer et lorsqu'ils sont bien mis au traîneau, qui sont à peu près aux ordres, on les met à l'attelage. Donc pour les mettre à l'attelage, je me fais aider par mon frère. Et lorsque les chevaux sont déjà mis à un, ensuite on commence à les mettre à deux. Si on a deux bonnes paires, on peut aussi les mettre à quatre.
Donc on élève des chevaux de Mérens depuis 25 ans dans l'Ariège au sein du parc naturel pyrénéen ariégeois. On a créé notre troupe Allegria en 2003 et de cet élevage et de l'observation du troupeau et de l'expérience aussi acquise dans les spectacles équestres, on a créé notre propre méthode d'éducation qui s'appelle la relation de complicité et qui permet d'obtenir de nos partenaires chevaux le meilleur d'eux-mêmes et faire par exemple ce genre de figure, de rester assise par exemple sur une botte de paille ou d'autres choses comme de l'équitation de loisirs, de la randonnée, du spectacle évidemment, du dressage, de l'attelage, puisque le Mérens c'est un cheval qui se prête à toutes ces disciplines. Donc cette méthode d'éducation est basée sur le leadership. Le leadership, c'est comment un individu, par son comportement, va influer sur le comportement d'un autre individu. Et le premier individu qui va interagir donc, sur l'autre individu cheval, ben, ça va être donc, sa mère. Donc l'idée de cette méthode-là, c'est que l'humain apprenne à parler le langage du cheval et petit à petit remplacer la mère pour le poulet.